Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Et vous? Ah, je vais très bien, je vous remercie. Donc aujourd'hui, c'est notre première leçon ensemble. Oui. Oui? Donc, est-ce que vous êtes un petit peu stressé? Ça va? Oh, Vous allez ça bien? va. Ça va? Très bien. Parce que des fois, on peut être un peu stressé quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Oui, c'est normal, oui. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on va faire une conversation libre. D'accord? D'accord. Donc, on va voir ensemble différents éléments en fonction de ce que vous allez me dire. Comme ça, je vois quel point vous avez besoin d'améliorer dans votre français. D'accord. D'accord? Donc, avant qu'on commence le cours, je vais vous poser deux questions. D'accord? Oui. Première question. Est-ce que la vitesse à laquelle je parle vous convient? Oui. Et tu me combien? Alors, très bien. Cela me convient. Ah, cela me convient. Super, très bien. Donc, deuxième question. Est-ce que lorsque vous faites une phrase, par exemple, vous faites une erreur de prononciation, de grammaire, ou alors une erreur de conjugaison, d'accord? Est-ce que vous désirez que je vous arrête tout de suite? Je vous dis, ah non, là, il faut qu'on s'arrête, il y a une petite erreur, on corrige. Ou est-ce que vous préférez finir votre phrase et ensuite je vous corrige avec différents moyens d'explication. Ah, quand je vais faire des erreurs, vous me corrigez tout de suite, s'il vous plaît. Très bien, Donc, parfait. après, je vais oublier qu'est-ce que j'ai. Et je me suis tombé, qu'est-ce que j'ai oublié l'article. Donc, c'est mieux tout de suite. Super, très bien. Donc, dès que vous faites une erreur, je vous dis, ah, on s'arrête juste quelques minutes, on corrige ensemble. Ah, s'il vous plaît. D'accord, super. Donc, on va commencer le cours ensemble. Aujourd'hui, maintenant, à présent, est-ce que vous habitez au Japon? Oui, j'habite au Japon. Très bien, vous habitez au Japon. Donc, maintenant, si on regarde l'heure, c'est le début de la journée. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui? Oui. J'avais prévu de voir mes amis. Alors, c'est bien. Est-ce que vous pouvez me répéter votre phrase, s'il vous plaît? Oui. J'avais de... Allez, j'avais prévu de voir mes amis. Alors, c'est très bien. Quand vous m'avez dit j'avais prévu de voir mes amis, quand vous le dites, on comprend de boire mes amis. Je vais vous écrire. Oui. Vous m'avez dit de boire. Il faut juste que vous modifiez, je vais vous mettre entre parenthèses, le mot boire. C'est pas le mot boire. bois un bois v Très v bien. Parfait, vous le dites très bien. J'avais prévu de ah voir mes amis. Allez-y. j'avais prévu de voir mes amis. Parfait de voir, mais j'avais prévu de voir.